toujours été porté à dire, ben c'est fait, je m'en vais pas. Là, bon, c'est la minerve, tu comprends? C'est chez nous, surtout, je pense, finalement. Effectivement, de ce temps-là, je me sens isolé, je me sens seul. Mais 10 000 personnes, ça commence à être dur à cacher, ça! Je suis très sensible à la solidarité. Je trouve ça beau. J'avais oublié d'oublier. C'est peut-être une autre chanson, ça. On va-tu voir mon père? Fais ce que tu penses que tu aimes. Fais-le. Ça va faire ma hauteur. Tu vois, en tout cas, peu importe ce que je veux dire, surtout là-dessus, j'ai juste ça, à ma hauteur. Mais bon, j'ai plein de choses là avec à ma hauteur. Qu'est-ce que j'ai avec ma à ma hauteur? C'est... Ça peut être plein de choses, mais je veux pas trop décider d'avance qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est un petit, c'est un grand, je sais pas. Mais c'est un point de vue différent, en tout cas. C'est à ma hauteur, à moi. Qu'est-ce qui se passe à ma hauteur? À hauteur de quoi, finalement? Un petit, ben... Tu sais? Mais donc, je sais maintenant, en ce moment, que... Avec, bon, j'ai comme ça des pets d'écrit sur à ma hauteur, mais rien de que je peux mettre nécessairement, tant que ça, je sais. Mais ça dit plutôt... Ça a l'air de vouloir dire... Ça a l'air de vouloir dire... À hauteur d'homme, finalement, tu sais. Ça a l'air de vouloir dire... Je ne sais pas que ça veut dire. Mais je sais que c'est intéressant. Mais je vais le trouver, tu vas voir. Les Irlandais qui ont écrit dans mes cahiers farfadets des bordures de fenêtres. Lorsqu'on entend son nom, on ne sait pas toujours trop de qui il s'agit. Lorsqu'on entend sa musique, on se dit « Ah ben tiens, c'est lui ça qui a fait ça. » Et lui, c'est Paul Piché. Ça a changé ici. Il y en a qui se demandent combien ce que c'est, quel âge qu'ils ont les arbres, ils ont à peu près 20 ans. Il n'y avait rien, c'était juste de la garnotte, c'était un terrain abandonné. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne. Ma position, c'est là. Je suis remplacé par une cabine téléphonique. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps. Ah, tu me poses la question. À qui appartient le beau temps? Est-ce que le beau temps, moi, m'appartient? Tu me poses la question. C'est un peu comme à ma hauteur, finalement, tu sais, à qui appartient le beau temps. Je veux dire, je sais pas ce que ça veut dire à ma hauteur, je sais pas ce que ça veut dire ce que j'ai écrit il y a 20 ans, certains. Assis sur le bord de mon trou, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. C'est une question. Non, c'était pour aller contre un mythe, finalement. L'important, c'est pas de répondre à la question, mais c'est de se la poser la question. Je réagissais à des clichés comme « Le soleil brille pour tout le monde ». Voilà.
Alors, je posais des questions. Oui, mais... On dit que l'hiver est blanc comme un nuage, mais ça, évidemment, dans le chalet près du foyer. Dans le fond, c'est salissant, brisqué, le chauffage. Y'a pas pire un moment de l'année, tant t'es pleuré pour tant d'été. Parce que même la température appartient à quelqu'un, puisqu'il y en a qui peuvent en profiter plus que d'autres, semble-t-il. Comme la nature. Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? C'est ce que j'aime pas des religions en général, c'est qu'ils donnent l'impression que la vie leur appartient. Ils ont une connexion avec le bon Dieu. Je veux même pas rentrer dans la discussion à savoir si Dieu existe ou les croyances ou la vie après la mort et tout ça, là, c'est pas de ça que je parle. Je parle strictement des rapports humains qui sont imposés par des religions, finalement, sous prétexte qu'ils ont des connexions privilégiées, eux, avec le grand. Donc, un pouvoir et un contrôle et une possession de... Voilà. Je pense qu'en 78 et en 77, on a découvert à qui appartenait le beau temps, Paul Piché. Paul Piché. Salut. Ben, Paul n'est pas nécessairement le plus volubile, mais quand il écrit sur papier et qu'il compose quelque chose, c'est... Tiens, quelques impressions, peut-être. Ah, les impressions. Mettons que c'est gênant, tu sais. Ben, pour un contestataire, c'est pas si pire, hein, comme ils disent. Ben. De toute façon, moi, j'aimerais ça remercier surtout ceux qui paraissent pas, les gars qui ont travaillé avec moi en arrière, comme Robert Léger. Il y avait beaucoup de ses chansons qui décrivaient comme le milieu ouvrier, des ouvriers, des gens ordinaires. Et c'est facile, quand tu décris ces gens-là, de tomber dans le prêchi-prêcha, dans le violon, de décrire des vies misérables et regarder comment c'est des héros. Je me rappelle d'une de ses premières chansons qui s'appelle Jean-Guy Léger, qui décrit justement un ouvrier qui rentre chez eux, un ouvrier qui n'est pas de bonne humeur parce qu'il s'est fait exploiter à la chape, puis qui se fâche contre ses enfants. Dans le premier couplet, il rentre et dit à ses enfants, « Taisez-vous, moi, tout vous couchez, je suis tanné de vous autres. » Mais il y en a combien, Jean-Guy, qui se laisse humilier? Et c'est cette vérité-là qui, tout de suite, m'a touché d'aller planter, décrire, faire vivre des personnages qui étaient vrais. Pour une fois qu'on est attaché à ces personnages-là, OK, passer un message politique peut-être après, mais cette vérité-là, ce talent-là d'aller nommer la vérité, c'est ça qui m'a d'abord séduit dès le début. Sylvie Légaré, ménagère, elle veut plus faire des petits sites toute sa vie, pauvre Sylvie. Quand est-ce qu'il va y avoir un deuxième album? Pour un moment donné, mais pas tout de suite, tranquillement. Je compose pas bien vite, tu sais, fait que... Tu sais, 20 ans, c'est quand même assez long. Et, même si à chaque album, j'ai toujours pensé d'arrêter. Toutes mes joies, toutes mes peines, toutes m'atteignent. Je vois la vie à ma hauteur. J'y peux rien. J'ouvre grand les bras, je m'illusionne. Un rien me fait de l'ombre. À ma hauteur, on se demande s'il faut se pencher pour me comprendre. Ce que je fais finalement, c'est que je me crée un univers, tu sais. Regarde comment ça a commencé. À ma hauteur, j'ai souvent vu la boucane sans voir la cheminée. En tout cas, je veux dire, là, ça part, ça s'en va dans... Je sais pas trop où. On va faire quelque chose. Je vais faire une sorte d'intro ici. OK? Ça serait le fun qu'on voit le chemin de fer, tu sais. Est-ce qu'on voit le chemin de fer? Alors attends que démolit toutes nos maisons dans tant pis de débat, ce serait en carton. J'étais monsieur tout le monde qui montait sur scène. Chemise à carreaux, bottes de travail, et barbe, tout ça. Je veux dire, je l'ai pas inventé, moi, là. On était tous pareils, tu sais. J'étais juste un parmi tant d'autres, sauf que moi, je suis monté en haut. Je faisais un peu comme si... Comme si j'avais pas d'affaires là, tu sais. La barbe, l'hiver c'est chaud, puis l'été ça isole, tu sais. Tout le monde disait, ben moi je porte des bottes de travail parce que si tu t'échappes un bloc de ciment sur le pied, ben t'as un cap de métal, c'est normal, tu sais. Un ouvrier a le privilège d'avoir le choix entre deux pièges. En réalité, c'était une mode, évidemment, mais c'était une mode
que je ne dénigre pas aujourd'hui, parce que, je veux dire, chaque mode est très significative, est un langage, dit des choses. Dans ce cas-là, on disait quelque chose de très précis, finalement. Tout le monde exprimait une solidarité avec le mouvement des travailleurs et du syndicalisme qui s'installait, qui prenait sa place et tout ça. Donc, ça voulait dire ça. Alors, si vous êtes des vrais Québécois et des vraies Québécoises, vous êtes des amateurs de Paul Pichet, on va se faire une belle veillée québécoise comme dans les années 70. Alors, à go, on se laisse pousser la barbe. 1, 2, 3, go! Pour changer de pièce. Il y a tellement eu, je t'apprends rien, une uniformisation américaine, qu'il y a comme un langage maintenant. Ça correspond à l'uniformisation. Ouais, okay. Ça dit, la musique, ça dit toujours un peu la réalité des choses. Ouais. Ça dit ça y échappe. Ça n'a pas été facile au début parce qu'il y avait des réticences, par exemple. Il voulait presque pas d'instruments sur son album. Je me rappelle, on s'est chicané, je voulais mettre de la basse. C'est tellement comme simple et évident mettre une basse sur une chanson de contrebasse électrique. Là. Il était pas sûr, il trouvait ça trop américain. On s'est battu des semaines de temps pour que j'y passe cette idée-là. Il avait peur de se faire englober dans une machine puis de perdre le contrôle. Je l'ai vu, j'ai vu prendre que ce que je faisais au départ, qui était vraiment garoché là, avec une guitare, puis je l'ai vu faire un album avec ça. Tu sais, je me rappelle, quand on a fait le premier long jeu, j'écoutais des albums chez nous pour essayer de comprendre comment ça marchait le drum là-dedans. Je dis, comment tu fais pour en... Là, j'essayais de comprendre, tu sais, comment ça marche, ça. En tout cas. Et je l'ai vu travailler, je l'ai vu être à l'écoute de... être à mon écoute, à l'écoute de qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer. On dirait qu'il écrit une chanson comme s'il essayait de gratter un mur de briques ou une ancienne tapisserie pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je suis pas mal mal parti pour sauver mon pays. J'y ai tellement rêvé, j'suis déjà dehors, fatigué, menti. J'me suis tellement menti à moi et mes amis que j'aurais envie de mourir. Mais ça, ça voudrait dire qu'ils m'ont eu et menti, mais je reste en vie. Les freins donnent le goût de repartir. Oui, et même si tu le penses, par exemple, dans une chanson, la rime, en soi, c'est une limite qu'on s'impose, finalement. Mais ça crée une rythmique et un mouvement, très souvent. Je chanterai ce refrain dans un Québec souverain. Il y a des choses qui m'ont... marqué. Moi, d'abord, tu sais, ma mère était anglophone. C'est une Anglaise, pour bien résumer. Une vraie. Et puis, donc, j'ai. Très jeune, j'ai été confronté quand, par exemple, on disait, quelqu'un disait les maudits anglais. J'avais de la difficulté à embarquer là-dedans, évidemment. J'ai été élevé dans un contexte où le racisme, la ségrégation, puis les préjugés, c'était toutes des choses un petit peu aberrantes pour moi. C'était toutes des choses qui n'avaient pas bien, bien de bon sens. Chose certaine, c'est que moi, d'abord, par la souveraineté, ce que j'ai compris, c'est que c'était un combat contre le racisme, contre la ségrégation, contre l'injustice, c'est d'abord ça. Je laisse aux humains l'espoir, la justice. Sont seuls à vouloir ou croire
deux. Je pense qu'il faut que j'aille me raser. Hein? Il est 8h moins quart, qu'est-ce que vous en dites? C'est peut-être mon passé d'archéologue. J'aime ça faire des études stratigraphiques. Si tu veux avoir un portrait, comme quand tu fais une carotte là, géologique dans la Terre, tu peux faire la même chose avec une ville. Par exemple, ici, à Montréal, dans n'importe quelle ville nord-américaine, tu as juste à trouver la traque. Tu trouves le chemin de fer. Et puis, il y a des bonnes chances que si tu te diriges vers le point le plus haut de la ville, bien, il y a des bonnes chances que tu montes dans l'échelle sociale tranquillement. Alors, c'est ça qu'on va faire. Jusqu'au paradis, disons. On sent que ça monte. Je me sens un peu comme Louis XIX. Oui, ça monte. Tant que ça monte, on y va. Ici, à gauche. À droite. Non, oui, non. Ah, les portes du paradis! Enfin! Et voilà. On sait pas, c'est on verra. J'avance et respire, poussé par mon désir. Je ne ferai pas le retour, pas un mot. Photo. En ce moment, le Québec vit carrément une déforestation. Ouais, c'est une cause très importante, en fait. Je suis très content de venir appuyer le mouvement pacifiste palestinien. Parler du sida. Aux coupes à blanc, la c'est chien, aux plus acides. Je pense pas que le Parti québécois soit un parti vert. On va pouvoir sauver des vies. La la. Un chanteur engagé, entre autres. Écoute, je dois te dire une chose. Je suis pas d'abord un chanteur engagé. Les premières fois que j'ai chanté, là, ma voix a fait... J'avais 7-8 ans et j'ai pogné mon neveu qui était dans un cadre de porte là, que tu fais sauter, là, si tu veux. Et je le tenais comme ça puis j'y tirais quasiment les oreilles. Mais en tout cas, je lui chantais des chansons. Là, avec toute mon âme, et tu sais, c'était pas un message politique, là, tu sais. J'essayais de plaire à quelqu'un avec ma voix, tu sais. Et aujourd'hui, quand je chante, c'est ça d'abord que je fais. C'est de séduire. Moi, j'ai pogné une truite comme ça pour ma mère, dans le congélateur. Non, elle-même. C'est Paul qui m'a fait comprendre que mon utilité dans la vie était d'être artiste, d'être un harmoniciste, un conteur et un podorythmiste. Ben pour les textes, c'est sûr, tu sais. Moi, marcher, me promener dans un parc comme ça, c'est parfait. Ou dans le bois, la nuit, chez nous, à Minerve, je vais prendre une marche la nuit, tu sais. Pas un peu, c'est si toi, t'avais pas été là, sauf elle n'aurait pas existé. Quand ils vont faire un recensement, à un moment donné, ils vont quand même les gens vont réaliser que toi, t'as réalisé un des premiers albums World Beat. Hein? Tu restes quelqu'un qui a des idéaux. Hein? Tu restes que quelqu'un qui aime discuter. Si on dit que t'as raison. C'est le terme que je cherchais tantôt pour envoyer tête de cochon, mais c'est vrai que t'es têtu. C'est l'autre chose que tu voulais dire. À ma hauteur, rien. J'y peux rien, je suis né et j'ai grandi. Ça, c'est pourri, mais si jamais ça reste dans la chanson, en tout cas... C'est parce que j'aurais changé d'idée. Je rejoins mon chemin. Je deviens et je le suis. Je vois la vie à ma hauteur. Je rejoins mon chemin et je le suis. C'est un peu quétant. Je peux pas travailler avec un mur comme ça. Impossible. Fait que faut que je prenne des marches. T'sais. J'aime ça que ça bouge. Et je m'enveloppe. Et là, en prenant une... Parce que... Quand t'essayes trop, ça marche pas, tu sais. Mais
quand tu y penses plus, hop, c'est là que ça vient. Alors, je prends des marches, je me joue des tours. Je revenais souvent ici pour composer, je la garde à la main. T'es proche de la vie? Il n'est pas quelqu'un d'autre, Paul. Il est lui-même. Il n'essaye pas non plus d'être quelqu'un d'autre. Quand il sort un disque, on l'écoute et on se dit, des fois, on se dit, ah, Château de sable, ça, j'aurais dû penser à ça. Tu vois toutes sortes de mondes différents, ça aussi, c'est de fun. Tu sais, j'ai lu ça. T'as-tu lu Alessandro Baricco? Non. Oh, as-tu lu les piliers de la Terre? Non. Je me suis tapé, moi, j'étais en train de finir Le monde et son histoire. Je lisais pas beaucoup, plus jeune, et à un moment donné, je me suis mis à lire beaucoup. Et j'ai eu l'impression de peut-être rattraper beaucoup de temps perdu. Dans une librairie à cachette, des fois, je sens un livre. J'adore l'odeur des livres. J'ai l'impression que quand je lis des livres, c'est comme si j'étais un bon garçon, finalement. Je sais pas, je dois réparer tous les mauvais coups que j'ai faits à quelque part en lisant mon livre et en étant sage. Mais j'adore lire, et puis à 17 ans, la délinquance s'annonçait des plus prometteuses. Et puis à 17 ans, la délinquance a pris le bord. Pourquoi? Plus jeune, j'ai été plutôt délinquant. Parce que je venais d'un milieu modeste. Donc, j'ai vécu l'injustice sociale, je l'ai vécu directement. Moi, je suis arrivé à une période où mes parents ont souffert beaucoup, dans le sens qu'ils ont été malades, un après l'autre. À une époque, ça, où il n'y avait pas d'assurance maladie, justement, tu comprends, il fallait que tu t'endettes. Et j'étais jaloux. J'étais jaloux des riches. Je leur en voulais. Je leur lançais des roches. Je pitchais des roches, moi, dans les fenêtres de riches. Je me promenais avec mon vélo, que j'avais volé à quelqu'un d'autre, puis je lançais des roches. Tu comprends? Je les haïssais. Tu comprends? J'avais de quoi, là, contre eux. J'ai compris que les choses pouvaient changer, que les choses n'étaient pas comme ça et qu'il n'y avait rien à faire. J'ai compris que s'il y avait de l'injustice, c'était pas non plus la faute de ceux qui étaient dans les maisons, nécessairement, de ces personnes-là, mais que c'était un problème ou un phénomène social et que les solutions à ces problèmes-là, c'était pas de s'attaquer personnellement à ces personnes-là, mais que les solutions étaient sociales. Donc, j'ai compris des choses. C'est de l'information qui m'est arrivée, qui m'a permis de changer ma délinquance en implication sociale et politique. Évidemment, le chanter est aussi devenu une façon d'espérer de changer les choses, parce que chanter, c'est aussi espérer, c'est vouloir. Chanter, c'est un mouvement vers. Donc, tout ça, c'est fait très naturellement, tu sais. Mais il reste qu'aujourd'hui, quand je chante, c'est pour séduire. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de bataille. J'appelle au revoir. Poser un geste, c'est qu'on est allé mettre un bloc de ciment dans lequel, c'est un gros bloc de ciment, un peu comme une boîte à mal, puis dans lequel on a mis une lettre que Gilles Vigneault a écrite. Depuis qu'on a rencontré Paul, on a réalisé qu'il y a des gens qui ont de très gros problèmes. C'est vrai parce que la pollution, l'écologie, la justice, il y en a qui virent fous avec ça, hein? Excusez, monsieur Pichet, hein? S'appelle Roméo, ça ganache, j'aimerais mieux pas déterrer la hache de guerre, non. Mais il est tanné d'être un pion qu'on déplace puis d'entendre des mots comme arnache. Comme en Bourassa, mets-toi pas dans tous tes états, y'a pas rien que toi qui es des avocats. Puis si t'as des droits sur ce pays-là, imagine mon père. Alors pour l'environnement, c'est un peu la même chose. Bien du monde vont dire, ben là, ce gouvernement-là, il va polluer autant que l'autre. T'sais, en fait, pour moi, faut pas que les causes attendent. On peut toutes les défendre en même temps et toujours. Il faut pas non plus subordonner dans l'autre sens, tu sais. Dire, par exemple, hop, on a un hélicoptère, je m'entends plus parler. Je vais me mettre entre parenthèses. Steel frame. Respecter la nature,
c'est respecter son propre devenir. Est-ce que vous aimez la géographie? Je parle dans mon micro, là. Non, c'est parce que... Alors là, on va rouler longtemps sur du plat parce que on est dans la vallée de la Rouge. Tu vois, le paysage est bien différent, là. Tu vas le sentir après la côte, là-bas. C'est beau, ici. C'est pas pareil. La rivière Rouge, elle s'en va vers l'ouest, mais là, on va tomber dans un endroit où c'est plus une vallée, tu sais, puis ça va être la rivière Rouge, puis ça s'en va vers... en fait, pas jusqu'à Ottawa, jusqu'à l'Outaouais, en fait. Il y a beaucoup de choses derrière une chanson comme « À ma hauteur », tu sais. Ça a commencé dans les Hautes-Laurentines. Pensais-tu de faire du tourisme dans ton émission? La route des vacances! Hey, reste dans la main, c'est beau. Belle rivière, ça. Le Mont-Tremblant, il est ce bord-là de la rivière Rouge, tu comprends? De la vallée de la Rouge. On va le pogner, le Mont-Tremblant. Mais tu vois comment est-ce que le paysage a changé, là? C'est pareil, là, tu le vois, je pense. Tu le vois, là, c'est ça. Donc ça, c'est le Mont-Tremblant. C'était le Mont-Tremblant. Mais là, si tu filmes ça, là, c'est le sommet Johansson, là. Oh boy! Quand le gars, il est là, là. Regarde comment c'est fait sur le long, là. C'est là qu'on est allé. T'inquiète, sais-tu ce que ça veut dire? Ah, je suis peu heureux, mais pour autre chose. Je sais pas que... Moi, j'ai tout le temps trop peur aux manières. T'as peur aux manières? J'ai travaillé sur... Le disque de quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas travaillé sur le mauvais calcul. Okay. J'ai pas peur de rien, finalement. J'ai peur de la peur, par exemple, tu sais. Si je suis sécure, je vais pouvoir composer 10 heures le soir. Okay. Mais faut pas que je sois nerveux de maniaque ou d'affaire. C'est ça. Tu sais, ce tableau là, c'est ce qu'il y a de plus beau que ça, tu sais. Lui, il compte pas de menterie, tu sais. Lui, il en compte pas. Alors, s'il y en a qui ne savent pas encore qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de ce socle de ciment-là, il y a une lettre qui a été écrite par Gilles Vigneault. On trouve ça bien important que les gens comprennent que c'est une richesse, c'est une grande richesse, un parc comme celui-là. Alors, c'est pour ça qu'on fait cet événement-là, pour marquer le centenaire du parc du Mont-Tremblant. L'environnement et faire attention à l'environnement, avant tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire attention à l'autre. Ça veut dire de faire attention à celui qui va être là après toi. C'est une aventure très belle et qui n'a pas soulevé la fièvre des médias. On était en temps référendaire, en période référendaire, en pleine période. Il y avait des nourritures plus alléchantes pour les médias à l'époque. Mais d'une certaine manière, c'est tout à fait dans la sémantique de cette histoire que de n'avoir pas été très évoqué et que d'être passé sous silence, parce que ça va passer 100 ans en silence, pour attendre que quelqu'un lise ça, peut-être en silence, peut-être ébahi, surpris, étonné, ou amusé simplement. Et disent, ça c'est un dénommé Paul Pichet qui l'avait poussé à ça. Alors, c'est sa faute s'il a écrit ça. 2095. En 2095, il va y avoir des enfants pareils comme nous autres. Il y en a-tu comme vous, il y en a-tu parmi vous qui auraient envie de leur dire quelque chose? J'aimerais ça qu'on essaie de garder le Mont-Tremblant comme c'est là. Même si vous avez réussi à tout cleaner à peu près toute la terre, ben alors je sais pas, parce qu'un coup que c'est fait, il faut continuer pour l'entretenir. Doit-il subir ce qu'on mérite? Qu'a-t-il à faire de nos histoires? La simplicité, pour un message, c'est une lettre que je mets à la poste du temps pour donner aux gens qui le trouveront des nouvelles de leurs racines. Ah, il y a une idée ici. Là, que dans 100 ans... Qu'ils refassent, qu'ils louent, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui fasse un poème. Ouais, comme une course à relais, là, qu'on passe. Hein? Bon, le message pour les enfants de 2095, trouvez-vous un grand poète à ce moment-là et demandez-lui aussi d'écrire une lettre pour que ça continue plus que 100 ans. Dans l'univers que je lui lègue, saura-t-il poser ses pieds? Le
tant d'aimer, et je lasse un soulier. Je vois courir un garçon. Art et essai 3. Non, art et essai. Je me vois pas comme quelqu'un en avant qui dit au monde vers où aller et tout ça. Je pense que je me vois comme quelqu'un qui fait ressortir un côté des choses qui est déjà là, tu sais. Je me sens quasiment comme un photographe, tu sais, qui va prendre une photo plutôt qu'une autre, tu sais, qui va décider de valoriser une chose que les gens font, qu'eux autres font. C'est dans ce sens-là, à un moment donné, que je pose la question. Là où je me sens drôle, c'est quand, par exemple, il se passe rien. Quand les gens font plus rien, je me dis, qu'est-ce que je vais photographier, tu sais? OK. Dans le lac, tout le monde dans le lac. Es-tu là, mon père? On l'entend. Mais je suis piché. Je suis pas habitué à ça. Je suis bien fait habitué à picher, moi, à sens, moi. Comme mes frères disent, pense! C'est ça. Lui ici, c'est pas une vedette, hein? C'est le fils, c'est le frère. Peut-être. C'est le frère de la sœur, là. Enfin, toute cette histoire-là. Je suis peut-être une vedette dans ma tête, puis tu ne sais pas. Bon. Si tu es une vedette, mangeons. Ici, là, hein? Il n'y a pas de vedette. On prend plaisir de le battre aux cartes ou à n'importe quel jeu, comprends-tu? Même à l'eau, hein? Hey, monsieur. Il a appris à nager en même temps qu'il a appris à marcher. Qu'ils prennent chez moi, là, c'est le sourire. Ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Une autre chose que je me dis toujours, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire à soi-même, c'est de donner quelque chose à d'autres. À quelqu'un d'autre, tu sais. C'est faire quelque chose pour d'autres, se dépenser pour d'autres. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire. Ça, c'est ma philosophie. Vous pensez qu'on pourrait aller à la dame, tu sais? Ah, ben écoute... Avec eux autres. Et puis... Vous montrer ma cour. Quand j'étais jeune, c'était quoi ma cour, finalement? Ben, oui. Marche pas trop vite, parce que j'étais soufflé. Il y a pas longtemps, j'étais petit. Je trouve que mes défauts paraissent moins dans l'arrière. C'est pour voir que l'on vieillit. Même en amour, même au printemps. Avec un père de même, comment tu veux que j'aime pas la nature, tu sais? La vie qu'il peut y avoir là-dedans, hein? Ouais, si tu arrêtes à penser à voir la vie qu'il y a là-dedans, ça sera ici, là. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, ben ouais, ouais. Finisse ce soir dans ma maison, sur un bel air accordéon. Lui, il a ses opinions, puis comme je lui ai toujours dit, défends ton opinion. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, il faut que tu la défends. En autant, moi, j'étais un peu ce que ma maman m'a toujours dit, tu sais, et puis ce que je lui ai toujours dit, fais ce que tu penses que tu aimes, puis ça te rapporte beaucoup ou non, ça n'a aucune importance. Si tu l'aimes, fais-le. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Près du monde, faut savoir. T'as vu mon père, pour qui c'est très important de défendre ses idées. Ça me rappelle quand j'étais jeune, j'étais à table de cuisine avec ma soeur, mon frère, et eux autres m'ostinaient au bout. Puis là, finalement, je suis pas parti à broyer, mais quasiment, puis je suis parti dans ma chambre. Mon père est allé me chercher, il m'a rassis. Il m'a dit, défends tes idées. Si ça a du bon sens, on va t'écouter, puis ah ouais, défends-toi. Alors, je me suis défendu du mieux que je pouvais, mais... Je sais que c'est important de confronter les idées pour que ton idée à toi s'améliore, pour que
si tu as à changer d'idée, bien que tu changes, puis que si tu as à l'améliorer ton idée, que tu l'améliores, tu sais. Bien sûr, les pauvres, c'est dépensier, pilule, prothèse, CLSC. Quelqu'un qui m'a envoyé la dernière fois le mauvais calcul, ben c'est, je pense qu'il y a 14 couplets là-dedans, ça comme pas d'allure. Je dis, moi, j'ai interprété ça d'une manière. Ah, il dit, moi, je l'ai fait regarder par un tel, puis il dit la même chose que toi, mais c'est pas ça qu'on veut dire. C'est pas ça que je veux dire. Ah, ben, je dis, c'est ce que nous autres, on le sent, ça fait qu'il faut que tu retravailles peut-être certains mots. Mauvais calcul. Une drôle d'addition sur le film mince d'une illusion. Shit, c'est-tu beau ici? Le drame se tisse à l'horizon. Max. Oh, ça va être tough là parce que je vais faire quelque chose qui se fait pas. On fait pas ça. Je vais chanter une nouvelle chanson. Je vais faire juste un petit peu le début de à ma hauteur. Ça a l'air pas fait, ça. Mon plus sombre chagrin peut paraître anodin. Je sais. OK. Dans ces moments-là, t'es fragile. Tes musiciens t'apprécient leur talent, mais t'apprécient aussi qu'ils soient tes amis. Dans ces moments-là, tes proches t'apprécient que ce soit aussi tes amis. Ceux qui t'aiment, ceux qui te le rendent, ceux vers qui tu peux toujours te tourner, par détresse ou par amour, sans crainte. Je voudrais pleurer toute ma misère. Je voudrais lâcher un gros morceau. Je voudrais pleurer toute une rivière. Je voudrais pleurer, mais j'ai peur de l'eau. Tu vois, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à pleurer. Tu sais. Donc, c'est une façon de pleurer, finalement, à chanter. Tu sais. Puis, composer des chansons, c'est un peu une façon de... C'est ça, de sortir ses émotions. Alors ça, cette mélodie-là, ça me faisait penser... Ça me fait penser à toutes sortes de personnes, comme Félix Leclerc, beaucoup à cause des accords. Mais aussi à, étrangement, Grace Jones, puis des tunes de David Bowie. En tout cas, peu importe, avec un petit coup de téléphone en arrière. Je pense qu'on... On a l'opinion que c'est un peu long pour moi d'écrire des chansons. C'est vrai que c'est long, mais c'est parce que j'ai une façon de travailler un peu spéciale, c'est que je cherche à nommer des émotions. Je dois choisir quel sujet, quelle émotion je veux nommer, justement. Et donc, je me laisse un peu guider, et là, je me rends compte souvent que les sujets qui me préoccupent, les émotions desquelles j'ai envie de parler, c'est souvent des émotions confuses. C'est des émotions un peu que je saisis mal, des émotions qui me troublent. Et donc, à mesure que j'écris, j'éclaircis un peu, je jette un éclairage sur mes propres émotions. Donc, c'est ça qui fait que c'est long. Non, il réfléchit à ça. Ça m'arrive d'écrire une chanson et d'être rendu aux trois quarts du texte et pas savoir parfaitement encore de quoi ça va parler précisément. Ça, c'est la fin de tantôt. Alors, tu sais, je suis en train de cerner une émotion en ce moment avec ça. Et je suis en train de la trouver moi-même. Je sais pas c'est quoi, tu sais. Et puis, à un moment donné, ça va me... J'aurai des paroles, j'espère, qui vont venir. Sinon, ça sera un thème. Voilà ce que nous voulons sur ce coin de la terre. Voilà ce que nous cherchons, une voile pour la mer. On peut s'expliquer de différentes façons la persistance actuelle d'un mouvement souverainiste et ouvert au Québec. Mais la plus simple
et la plus éloquente est de s'en remettre à ses débuts, à ses origines. Faudrait jamais voir le combat des patriotes comme quelque chose d'étroit. C'est un combat très, très humaniste, très internationaliste, très ouvert. Dès le départ, c'était ça. Comme l'est aujourd'hui le mouvement souverainiste encore aujourd'hui. Et si on peut vivre en pays démocratique, comme on le vit au Québec et au Canada, c'est grâce à des gens comme Delormier et tous les patriotes. Le problème, comme tu me dis, c'est que les Québécois ne connaissent pas leur histoire. On connaît plus l'histoire américaine. Pour encore parler du Canada, beaucoup pensent que c'est quelque chose qu'on a accepté démocratiquement. Oui, il y a eu, à un moment donné, un Parlement ici, dans le Bas-Canada, qui a voté à 52% là, pour rentrer dans la Confédération. Donc, un Parlement dont la plupart des chefs politiques étaient soit pendus ou exilés. Alors, ça ne veut absolument rien dire. C'est certain que l'Union canadienne nous a été imposée au bout du fusil. Ceci dit, parlant de l'histoire, il y a une chose qui est très étonnante que les Québécois ne savent pas, c'est que les premiers séparatistes, c'est les Anglais. Au départ, la province de Québec, ça s'étendait jusque dans toute l'Ontario et même plus loin. Et les Anglais ne voulaient pas être une minorité. Donc, ils ont séparé et ils ont fait les frontières qu'on connaît aujourd'hui. Quand ils sont devenus majoritaires, là, ils ont voulu nous remettre ensemble, évidemment. La frontière du Québec, c'est eux autres qui nous l'ont donnée. C'est pas nous autres qui l'a faite. Elle est bien réelle, cette frontière-là. Mais ce qui est surtout triste de penser, c'est de voir qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut encore jouer comme ça avec les frontières et faire ce qu'on veut avec les frontières. Ben, ça, je voulais juste dire ça en passant. C'est ça. Je lui dois beaucoup. Un grand artiste de chez nous, mon ami Rick Howard. Est-ce qu'on veut n'a pas d'odeur, de sang, de race ou de religion? Et on attend, Simon, vous l'avez dit, 10 000 personnes. Tous les biens ont été vendus en quelques jours seulement. Alors, il va y avoir de l'atmosphère dans quelques minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui se sent isolé tout seul. Je pense qu'à un moment donné, ces gens-là vont se remettre ensemble. Qu'ont en commun les artistes que vous avez devant vous? Eh bien, ce sont des artistes pour la souveraineté. Il est important aussi de souligner que nous n'appuyons aucun parti politique. On ne possède pas la vérité, mais on a des convictions. Et à voir l'accueil que vous nous réservez, on peut très bien comprendre qu'on n'est pas tout seul. Donc moi, quand j'étais jeune, je me rappelle à un moment donné que j'avais honte d'être Québécois. Le mot honte est peut-être exagéré, mais en tout cas, j'avais une certaine gêne d'être un Canadien français. C'est des choses difficiles à imaginer quasiment aujourd'hui. Donc, dans ces questionnements-là d'authenticité, d'accepter qui on est, veux pas, à un moment donné, moi, j'ai dit, ben là, moi, je suis un Canadien français. T'sais. J'ai commencé à ce moment-là à penser qu'il fallait que je défende le français, parce que j'étais français, parce que c'était moi, tu sais, tout simplement. Pas parce que c'était mieux qu'un autre. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est. Peu importe, tu sais, à ma façon, je suis ce que je suis, tu sais. J'allais dire quasiment à ma hauteur. Voilà, c'est dit. À ma hauteur, j'ouvre grand les bras, je m'illusionne. Peuvent pas faire le tour de personne, et je peux facilement m'emballer. Ok. À ma hauteur, à ma stature, j'ai jamais vu sur les toitures les cheminées
mais j'imagine par la fumée les feux qu'ils se sont allumés. Je deviens qui je suis, je vois la vie à ma hauteur, je retiens mon chemin et je le suis. Ah.